souviens, donc il y a l'association Alliance civile pour l'environnement à Melun, Jbelkrist, s'ils sont prêts Très bien. pour nous faire C'est la ça, présentation. oui. C'est ça, Nqraoui Moulay Mustapha. تفضل. Donc, On passe à la région sous-massée. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. تحية للإخوة الأفاضل، كل باسمه وموقعه، الإخوان لي ديريكتور سونترو ديال لي زوي فوري، الإخوان ديال بي بي أو سكان، و لي كوليغ أسوسياسيون، سو كو جو كوني و سو كو جو كوني با. دونك، heureux d'être parmi vous. Et de partager notre présentation. Vous nous l'indiquez directement. Alors, et tout on va comme, essayer de le voir. Oui, tout comme mes collègues, le code de notre projet, c'est le MAR 353-PS. L'association, c'est l'Alliance civile pour l'environnement. L'intitulé du projet, c'est la participation à la conservation de la biodiversité du Jbel Kiss et la valorisation des ressources et richesses agroforestières aux oasis de la vallée Amel. La durée du projet prévu, c'est 24 mois. Pour la présentation de notre association, l'année de création, c'est 2020. La commune Amel, le cercle de Tafraout, province de Tiznit, région Sous-Massa. Le champ d'action et la thématique principale dont travaille l'Alliance, c'est l'action environnementale, l'amélioration de la qualité de vie des populations locales et la protection des ressources naturelles. Les principaux projets réalisés à ce jour depuis la création de l'Alliance, c'est premièrement une étude d'impact contradictoire sur les projets miniers dans la zone ML, une réalisation 100% par l'équipe technique de la CEA en date du 9 novembre 2020, un projet sur l'étude de développement territorial durable par le tourisme et le patrimoine, l'agroécologie au sein de la commune Amel, une réalisation du laboratoire Lerma de Qadriya de Marrakech en septembre 2022, un autre projet d'appui à l'agriculture solidaire, on appuie avec l'appui du ministère du tourisme et de l'ONCA, réalisation en novembre 2022, et pour ne citer que ces quatre activités, la célébration de la Journée internationale de l'Arganier dans sa deuxième édition sous le thème l'Arganier symbole de résilience avec appui de l'INSOA en mai 2022. Pour la zone du projet, la zone de localisation du projet, c'est le CIB Jbel Kist, la commune d'Emmel et le cercle de Tafraout, province de Tiznit, Sous-Massa. Bien sûr, quand on dit Jbel Kist, Jbel Kist, ça veut dire que plusieurs communes, autres que la commune d'Amel, deux ou trois provinces, la province de Chouk Ait Baha, limitrophe la province de Ait Baha, de Ait Abdallah, toujours dans le Sous-Massa Draha. Pour revenir au projet, l'objectif général de notre projet, c'est la participation active à la conservation de la biodiversité du Jbel Kist et la valorisation des ressources et richesses agroforestières. L'objectif spécifique numéro 1, c'est la participation active à la conservation de la biodiversité. Le deuxième, c'est la valorisation des ressources et richesses agroforestières des oasis de la vallée Amel. Les principales actions à réaliser, c'est les tenues de réunions de concertation multi-acteurs pour la mise en place de mécanismes de surveillance de la faune du Jbel Kist et la mise en place d'activités de terrain pour la sensibilisation à la conservation et à la biodiversité du Jbel Kist, la formation de 20 agriculteurs en techniques d'intervention et de préservation de la faune, l'organisation d'une visite de chance au profit de 20 membres agriculteurs. Le montant global du projet étant 351 269 dirhams, le montant de la subvention PPOSCAN, c'est 317 804 dirhams. Pour l'objectif spécifique numéro 2, il s'agit de l'aménagement
la mise à disposition des agricultures des moyens d'agir et la création d'une activité génératrice de revenus par l'aménagement de locaux techniques, l'achat de matériel, l'achat d'unités de production de charbon organique, l'acquisition de tréporteurs, la formation de ses membres en technique de production et commercialisation des briquettes, la formation des membres sur la technique de lutte contre les incendies, la démarche pour la réalisation de ces objectifs, c'est la mise en place de mécanismes consultatifs via une démarche intégrant le tissu associatif local et des supports de surveillance de richesses faunistiques, en l'occurrence la gazelle d'Orka et le mouflon, grâce aussi à l'appui des activités agricoles pour revitaliser et préserver les oasis Amel par la mise à disposition des populations locales actives des moyens d'agir, du matériel et outillage collectif. Aujourd'hui, nous sommes en phase de préparation. Nous avons préparé les outils de communication, tout comme nos collègues. Nous avons entamé des réunions de concertation multi-acteurs, notamment avec l'Agence nationale des eaux et forêts, la commune d'Amel, l'ANSOA, le conseil provincial de Tiznit, les associations partenaires du projet. Pour ne citer que ce qui précède, je voudrais aussi ajouter que notre travail avec les eaux et forêts remonte aux années 2015-2016, lors de notre participation à l'étude et l'aménagement du Sibelkist, entamé par les eaux et forêts. J'ajouterai aussi que la zone sur laquelle nous travaillons est une zone RBA, la zone A de la réserve RBA, la réserve biosphère Arganière. Et bien sûr, un site d'intérêt biologique, et aussi il figure parmi les sites des CIPAM de la FAO, le site CIPAM Ait Swab Ait Mansour, et prochainement, très prochainement, un projet d'APAC en vue. Et merci pour votre suivi et votre compréhension. Merci beaucoup, c'est Nakraoui. C'était Merci clair? pour votre bref. Oui, c'est très technique, c'est très bref. Je reste à votre disposition Oui. pour tout ajout. Par rapport à la suite, j'aimerais bien, s'il y a des questions au niveau de la direction régionale Maassirissa, au niveau de la région de Sousmassem, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions à proposer ou bien des actions à clarifier, tout ce qui a été entrepris avec Sanakraoui. Bonjour, c'est Bonjour, bonjour Nous Céline. sommes Jamia, awash mon bedek, merci. Donc, je salue également les partenaires pour l'Alliance. Comme vous savez, c'est un projet qui est important parce que il concerne une zone qui est très importante. Il concerne une zone très importante parce qu'elle englobe beaucoup de choses en même temps. Elle englobe la vallée d'Anmen, qui est une vallée importante en termes d'agriculture biologique, d'agriculture solidaire, on peut travailler là-dessus. Et importante aussi par la présence de Jbelskisti, un site de priorité 1 qui est normalement proposé d'être érigé en parc national et qui a bénéficié d'un PAG, d'un plan d'aménagement et de gestion, très récemment. C'est un site qui a des atouts importants aussi bien sur le plan écotouristique parce qu'il présente un atout écotouristique très important, ce qui est en relation avec l'escalade, avec la randonnée, etc. Et puis aussi, c'est un site qui abrite une faune, une grande faune sauvage qui est très importante, particulièrement le mouflon de Tchette et la gazelle. Donc, en plus, d'autres espèces aussi faunistiques qui sont très importantes. Donc, comme a dit Simtraoui, ce n'est pas nouveau, on travaille avec l'Alliance depuis des années. Et donc, on sait l'importance de cette alliance, aussi bien dans le dynamisme social qu'elle assure au niveau de la vallée d'Anmeld. Elle nous a beaucoup aidé pour programmer
projet à Jbel Kist et la vallée d'Elna. Donc, un projet qui normalement a été soumis au central depuis le contrat programme 2022. Malheureusement, 2022, il n'y avait pas beaucoup de délégations de crédit pour plusieurs raisons. En 2023, on a insisté auprès du service de parc pour intégrer le projet de valorisation de la vallée d'Elna. Et on a pas mal d'actions qui poussent parfaitement la stratégie Forêt du Maroc et qui rentrent dans le cadre de cette synergie de partenariat avec la société civile, particulièrement avec ce que fait l'Alliance. Donc, la trêve de ce message est ouverte, c'est ouvert à l'Alliance et aussi à toutes les structures associatives dans la région et on est prêt de collaborer. Je crois que leur projet est très important en matière surtout de sensibilisation, en matière de véhiculer, c'est-à-dire les messages importants au niveau de cette région, particulièrement pour la conservation de la faune sauvage. La grande faune, vous savez que c'est une zone qui est un peu. Il y a beaucoup de braconnage, si on veut dire. Donc, ils sont là, l'Alliance avec nous, pour effectivement nous appuyer, nous aider pour la surveillance de cette grande faune sauvage. Aussi, l'Alliance, il y a beaucoup de partenaires avec qui travaillent, avec l'ENSOA, avec l'agriculture. Donc, on constitue un programme, un projet de partenariat multipartenaire qui peut être que bénéfique pour cette zone. Merci, Yassine. Très très bien, merci beaucoup pour toutes ces clarifications et ces arguments par rapport au projet et par rapport aussi aux activités de l'association et sa mise en réseau au niveau de la région, que ce soit par rapport à l'RBA d'une manière globale ou spécifiquement au niveau d'Amel et le site de Jbel Kiss qui recèle énormément de biodiversité. Ça, tout le monde en connaît, mais on devrait toujours garder un œil sur tout ce qui se passe et sur sa convergence par rapport aux plans d'action qui sont déjà entreprise mise à la disposition de l'ensemble de la société civile.